Bon, maintenant, je vais vous montrer genre les petites erreurs que deux de mes équipiers auraient fait, qui a fait en sorte qu'on a perdu le match. Bon, regardez, moi, je fais toujours les efforts qu'il faut pour essayer de gagner. Des fois, ça peut arriver, je fais des petites erreurs, non, ça arrive, tu sais. Mais je suis capable de bien me reprendre. Sauf qu'il faut, que j'aie un joueur pour compléter. Sinon, je oublie ça. Sinon, oublie ça, là. Oublie ça, moi, je vais avoir toujours le feeling que ça va être l'équipe adverse qui va gagner, ça, c'est sûr. Pourtant c'est des erreurs tellement évidentes là, à éviter. Oh, puis aussi éviter le spam contre un bon joueur parce que oublie ça, vous allez faire battre si vol. Je parle au joueur avec qui que je jouais là. Varie ton jeu. Regarde, moi j'essaie de bien me placer pour enchaîner mes coups là. Un bon, il faudrait que ça pour se suicider. Bien joué de la part du joueur de buzzer. T'es bien beau se protéger, mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas réussir à éviter l'attaque. Au moins, regardez, je suis capable de faire des retapages. Regardez, ici, il n'y avait aucune réaction. Aucune. Aucune. Ok, c'est carrément jeté là. Il n'y a même pas eu le réflexe de au moins sauter. Regardez, en plus de ça, il recommence avec ses attaques spéciales. Oublie ça, ça y est, il se fait dominer le joueur. Je vais t'avoir par le chemin, j'aurais dû me protéger là. Regardez, juste ici. Il a raté son coup, il aurait juste se retourner puis il aurait pu le pogner. Il a voulu essayer de faire un peu plus de côté, ça n'a pas réussi parce qu'il a fait une roulade juste avant. Il s'imagine vraiment que ça va marcher là, non? Ben ici, il aurait dû sauter par-dessus. T'sais, mais là, il va tellement vite que des fois, tu peux pas tout voir non plus. T'sais, mais au moins, moi, j'ai fait l'effort, au moins, de faire le rattrapage, mais là... Il fallait que mon équipier soit un petit peu plus alerte. Ça, c'est difficile de pogner des bons équipiers aussi parce que, genre, bien souvent, je pogne des gens qui sont pas très bons. Quoi? Non, merci. Non, merci, j'en veux pas. Mais là, ici, là je peux pas vraiment comprendre. Là, qu'est-ce qu'il y avait en tête, le joueur, crime? C'était une chance inespérée là. Qu'il avait. Il aurait pu finir le jeu avec le gros champignon, il a même pas rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est piger des flèches pendant 10 secondes de temps au joueur. Puis il était déjà éjecté le pire avant qu'il commence à charger sa première fléchette, franchement. Tu l'as vraiment pas vu, le gros champignon qui était juste dans le train, tu l'as pas vu dans ton écran. Ouais, voyons donc. T'es-tu trop aveugle, l'esprit, le gars, il se promène d'un bord ou de l'autre. Comme que je vous disais, je me suis mis à mauvaise place. Sauf que j'ai mis KO l'autre après. N'importe quoi. En tout cas. Juste ça, ça n'a rien à comprendre. Tiens, en moins de 30 secondes, je suis déjà mis KO deux fois.
Moi, je suis très bon dans les rattrapages, c'est sûr, sauf que par exemple, dans quelques mois que mon équipe essaie de rester solide, tant mieux, sauf que par exemple, Seigneur, je sais pas à quoi qu'il pense quand il essaie de finir un jeu alors que, genre, le roi KO, il a réussi, je pense à mettre KO, c'est lui qui s'est mis KO accidentellement, je sais pas, que c'est arrivé, je m'en souviens plus. En tout cas, je peux pas comprendre, là, tu peux pas manquer une occasion pareille, là, si y a un gros champignon devant toi, là, crime. Tu prends de la chance. T'avais la partie en main. Regardez, c'est moi qui fais les chaos. Bon, regardez, là on est en 2 contre 1. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, là il y a ça ici. Là, il est à 0% là, ok? Là on est à 2 contre 1. Qu'est-ce qui va se passer? Non, j'aurais pas pu l'atteindre. Regardez, vous voyez tout simplement avec une saisie, hein? C'est comme ça qu'ils finissent le jeu, le monde. Ils n'ont pas l'audace de le voir ici un smash ou quelque chose d'autre. Une attaque spéciale ou un signe saisi. Regardez bien, regardez le champignon! Puis des fléchettes, c'est ce qu'il fait. Il pense même pas aller chercher le champignon. Regardez qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Mais écoute, t'avais une chance inespérée là, pourquoi t'as pas saisi l'occasion? Tu l'as vraiment pas vu dans ton écran, genre le gros champignon qui se promenait là? Non, tu l'as pas vu, t'étais trop aveugle, c'ti. Mais voyons donc. D'ailleurs, t'as-tu besoin de lunettes? C'est juste des petits détails là qui font en sorte qu'on perd. Mais aussi, ça a pas aidé que genre que je me suis mis en mauvaise position et voilà, je meurs direct, esprit. Mais quand même, j'ai pu faire au moins le rattrapage pour tout le monde, si, là. Vous avez bien vu que là, j'ai essayé de lutter pour m'assurer avec ma dernière vie, vous avez bien vu. C'était quand même ce que j'ai fait là. Sauf qu'il aurait fallu que mon équipe puisse pouvoir compléter, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui a le talent de bien finaliser. Mais n'empêche que, quand on joue une partie sans le temps, puis tu vois qu'il y a un gros champion qui se promène en dessous du train, puis que t'as la chance de. Il est juste en dessous de toi! T'as même pas eu le courage d'aller en bas. Pourtant, t'aurais pu finir le jeu facilement. Au lieu de piger des fléchettes, Seigneur, ça va faire grand chose aux joueurs, là, tu sais. Des fois, il y en a qui prennent des mauvaises décisions comme ça se peut pas. Tu peux pas manquer une chance pareille. En plus, t'es avantagé, l'autre, il est genre. Sur la locomotive. Toi, t'es juste sur le toit du train, puis en dessous du train, il y a le champion qui apparaît. En plus de ça, il est apparu juste avant qu'il arrive. À l'intérieur du train. Ben, à l'intérieur du chariot, je devrais dire. Tu peux pas manquer une chance comme ça. Tu peux pas. Excuse-moi, là, si je te dis ça, mais c'est vrai, Seigneur, on aurait dit, genre, que t'as carrément manqué ça. Moi, je l'aurais pris tout de suite le champignon, là. J'aurais pas niaisé là. À pitié des fléchettes, je suis le joueur, voyons donc. Tu laisses la chance à ton rival de finir le jeu facilement. C'est ici bas, là, crime. T'sais, malgré les erreurs que je fais puis que je les assume, ok, quand même, je réussis quand même quelque chose là, mais. Il y a juste celui qui a une saisie pour tout casser, fait que genre, c'est ça. Puis moi, quand j'ai vu le joueur, ok, qui pissait des fléchettes, je me suis dit, ah, si, on va perdre, là, c'est sûr. Écoute, moi, je suis capable d'avoir le feeling quand on perd, quand on a une chance de gagner. Quand on a une chance de gagner, je fais tout pour mon poids pour essayer de gagner. Mais si pas ma chance, ben je perds, mais tant pis.
Mais là, ici, je ne peux pas manquer un truc pareil. C'est pas une question de confiance. Moi, je le sais dans ma tête. Je le sais dans ma tête d'avance. Je vois comment le joueur réagit. Comment mon équipier réagit, je suis là. Crime, il agit pas de bonne façon. Bon, on se reviendra pour la suite, ok? Puis s'il vous plaît, là, ok? Évitez-moi ce genre d'erreur-là, crime. Écoutez, là, vous pouvez pas espérer mieux que ça.